façon de disparaître volontairement. Disparition romancée. Forêt tropicale, arbres énormes, nature luxuriante, champs aborigènes. Nudité absolue, fruits exotiques, rencontres spirituelles hors normes. Disparition ratée. Être spontané, dire « je vais travailler, bonne journée ». S'arrêter au guichet automatique, retirer le montant maximum, 1 000 $, être vu par les caméras du guichet automatique et oublier que les images seront diffusées en boucle à travers la province et le pays, rouler en voiture, éteindre son cellulaire, lancer son cellulaire par la fenêtre, rouler, 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 ne pas penser, stationner son véhicule quelque part, abandonner ses papiers d'identité, prendre un autobus, débarquer n'importe où, mais très loin, Calgary, par exemple, for example, dépenser 1 000 $ en très peu de temps, puisque vivre, ça coûte quelque chose, éviter de se montrer. Manger quoi? Dormir où? Se déplacer? Comment? Se faire reconnaître par des passants? Oh my God! It's the girl we've seen on the missing poster! Run after her! I'll call the police! Retour à la case départ. Disparition internationale. Pura vida, mojito, rumba, salsa, merengue. Disparition mystérieuse. Véhicule accidenté. Arrivée des secours. Conducteur disparu. Aucune trace de pas dans la neige. Chien pisteur. Enquête. Témoin énigmatique. Search and rescue. Hélicoptère, radar infrarouge, chien spécialisé, odeur de décomposition. Aucune trace. Disparition télévisuelle. Fugue, pluie, nuit, capuchon, escorte, viol, motel, drogue. Pour réussir cette disparition, tout préparé méthodiquement, tout orchestré avec maturité, ne rien précipiter, prendre le temps, accumuler un montant d'argent raisonnable, choisir un endroit où refaire la mise en scène de sa propre vie, s'informer de façon approfondie sur cet endroit, casser, broyer, rompre doucement les relations avec les proches, répondre furtivement aux questions quotidiennes de l'entourage, signifier banalement aux gens qui nous entourent que quelque chose se tord en nous. Avoir des crises de larmes inappropriées à des moments surprenants. Boire trop. Faire des achats compulsifs. Prévoir une nouvelle apparence physique. Accumuler des réactions paradoxales qui vont permettre à l'entourage de formuler des hypothèses saugrenues sur la possibilité d'un suicide. Important de savoir qui on est, pour savoir ce que l'on refuse d'être à l'avenir.